Salut à tous, c'est BJ, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Fallout 76. Dans cette vidéo, nous allons voir l'emplacement des 4 trésors de la vallée toxique. Je vous propose une vidéo par zone pour permettre une meilleure recherche sur YouTube. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. C'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter gratuitement et vous ne raterez aucun contenu. De nombreuses vidéos sur Fallout 76 et Fallout 4 sont prévues. Vous pouvez aussi venir poser vos questions sur la chaîne Twitch lorsque je suis en live. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez rejoindre le Discord qui est ouvert à tous. Pour finir, si vous voulez encore plus soutenir la chaîne, j'ai ouvert une page Tipeee. Je vous explique directement sur la page pourquoi j'ai décidé d'en ouvrir une et l'importance que ça a pour me permettre de continuer à vous proposer du contenu à plein temps. Tous les liens sont dans la description. Merci à tous pour votre soutien et je vous souhaite une bonne vidéo. Les cartes au trésor sont des dessins qui vont vous conduire vers des monticules de terre un peu partout dans les Appalaches. Vous les trouverez dans des conteneurs ou sur des ennemis de manière aléatoire. Dans ces trésors, vous pourrez loot n'importe quelle arme ou plan qui ne sont pas achetables par des lingots ou autres monnaies spéciales. Ainsi, vous pourrez récupérer des laser gatling, des lance-flammes et des plans d'armes, d'armure ou même de pièces d'armure assistées comme la T45 ou la T51. Le taux de drop des plans est plutôt élevé, mais comme il y en a plusieurs centaines différents, plus vous avez de cartes et plus vous aurez de chances d'en avoir un intéressant. Si vous n'arrivez pas à voir le numéro de la carte dans votre inventaire, appuyez sur Examiner, X sur PC pour voir son nom en entier en haut de la fenêtre. Dernière chose, si vous avez plusieurs fois la même carte au trésor, pas besoin de revenir plusieurs fois sur la zone. Vous pourrez simplement creuser autant de fois que vous avez de cartes de l'emplacement. Sur la première carte au trésor, nous pouvons voir une faille près de laquelle se trouve une maison détruite. Cette maison, c'est la ferme des Baker, juste ici. Une cabane se trouve près de la fissure, et près de la cabane se trouve le tas de terre. Sur la deuxième carte, nous sommes sur une falaise et on peut voir un château d'eau ainsi qu'un village et au loin le cratère avant sa construction. Ce village, c'est Klaxburg, juste ici. Le tas de terre se trouve sur la colline au sud-ouest du village. Sur la troisième carte, on peut voir une épave de bateau au premier plan et au second plan, le barrage de Grafton. Cette épave se trouve au camp des pionniers, ici. Vous la trouverez au milieu du lac irradié et juste à côté d'elle, le tas de terre. Pour la quatrième carte au trésor, il s'agit d'un dessin montrant la zone du cratère avant sa construction. On se rend donc au cratère, et le tas de terre se trouve au sud-ouest, sur la falaise. Voilà pour les trésors de la vallée toxique. En espérant que la vidéo ait pu vous aider à les trouver. Merci de l'avoir regardé et merci de votre soutien. Merci énormément aux tipeurs de m'aider à maintenir mon activité. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.